Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est TGF et nous nous retrouvons pour le sixième épisode de notre Let's Play sur Phoenix Wright Ace Attorney. Et nous étions au procès de Maya Fey où elle était accusée pour meurtre de sa sœur Mia tuée par un autre du personnage. Et on va se retrouver tout de suite au début du procès. 7 septembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1, directement salle d'audience d'ailleurs. La déclaration est ouverte pour le procès de Mademoiselle Maya Fey. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Benjamin Hunter. Surtout ne me pas montrer trop nerveux, vous risquez de me tomber dessus. Monsieur Hunter, veuillez faire votre déclaration à la cour. Merci, votre honneur. L'accusée Mademoiselle Maya Fey se trouvait sur le lieu du crime. L'accusation veut prouver qu'elle est l'auteur de ce meurtre. Car nous avons témoin qu'il a vu commettre ce crime. L'accusation ne voit aucune raison de douter des faits de ce dossier, votre honneur. Je vois. Merci, monsieur Hunter. Nous pouvons commencer. Vous pouvez appeler votre premier témoin. Alors, par contre, là, je comprends pas pourquoi c'est Hunter à ce moment-là, mais bon, passons. Vous pouvez appeler votre premier témoin. L'accusation appelle l'officier de police chargé de l'affaire, l'inspecteur détective, ou dictaphone. Témoin, veuillez dire votre nom et votre profession à la cour. Monsieur, mon nom est détective, monsieur. Je suis l'inspecteur chargé des homicides au commissariat, monsieur. L'inspecteur détective. Veuillez nous dire décrire en détail ce meurtre. Très bien, monsieur. Permettez-moi d'utiliser ce plan pour vous expliquer. Le corps a été retrouvé à côté de ses fenêtres, juste ici. Et quelle est la cause du décès? Et quelle est la cause du décès? Et moi, j'ai été entraîné par un coup violent, monsieur. L'arme du crime est une statue du penseur retrouvée juste à côté du corps, monsieur. Assez haut pour donner une âme mortelle, même dans les mains d'une jeune fille. La cour accepte la statue en tant que pièce à sa conviction. Il continue d'appeler ça une statue. Plan du bureau ajouté à l'audace de l'affaire. La statue, on l'a déjà. Maintenant, inspecteur. Oui, oui, monsieur. Vous avez immédiatement arrêté Mademoiselle Maya Fey, qui se trouvait sur le lieu du crime exact. Pourriez-vous nous dire pourquoi? Bien sûr, monsieur. J'avais des preuves irréfutables de sa culpabilité, monsieur. Inspecteur Tective, veuillez indiquer à la cour quelles sont vos preuves irréfutables. Déposition du témoin. Arrestation de Mademoiselle Maya Fey. Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipité sur le lieu du crime. Il y avait déjà deux personnes sur place. L'accusé, Mademoiselle Maya Fey, et l'avocat, Monsieur Phoenix Wright. J'ai immédiatement arrêté Mademoiselle Maya Fey. Pourquoi? Parce que nous avons reçu à disposition un témoin, là, décrivant. Un témoin vu le Mademoiselle Maya Fey au moment même du crime. Sa voix est difficile, hein, parce qu'il faut racler sa gorge. Au moment même, vous dites? Très bien, Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Oui, votre honneur. Interroger, mais sur quoi? Je n'ai décelé aucune contradiction dans son témoignage. Pouch. Eh, Maya va juste me lancer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque ma sœur ne trouvait aucune contradiction dans la déposition d'un témoin, elle bluffait et interrogeait toujours le témoin sur chaque détail. Le témoin fait toujours une gaffe et dit toujours quelque chose d'incohérent. Cela a fonctionné un tas de fois. Eh, eh, j'aurais dû me douter que Maya connaissait certaines astuces de sa sœur. Très bien, essayons de voir. Quelque chose ne va pas? Pas du tout, Runner. Je souhaiterais commencer mon contre-interrogatoire. Premier contre-interrogatoire sur l'arrestation de Mademoiselle Maya Fey. Dès que nous avons reçu un appel, je me suis précipité sur le lieu du crime. De qui avez-vous dit avoir reçu un appel? Eh mon gars, vous ne faites pas l'ignorant! Vous savez très bien de qui! L'appel promené d'un client de l'hôtel Gatewater, celui en face du lieu du crime! Bon, j'ai attaqué, mais je ne suis pas sûr que ça ait servi à grand chose. Bien, veuillez poursuivre. Il y avait déjà deux personnes sur place: l'accusé Mademoiselle Maya Fey et l'avocat Monsieur Phoenix Wright. Êtes-vous absolument certain que c'était nous? Écoutez mon gars, votre petit numéro ne vous mènera nulle part.
avec ses vêtements de hippie et votre coiffure d'hérisson. On aurait dit deux suspects sur le lieu de la crime. Ma foi, il n'est pas entièrement d'ordre à son sujet. Elle est assez caractéristique. Je devrais mieux choisir mes arguments pour attaquer quand il le faut. J'ai immédiatement arrêté Mademoiselle Mayafay. Pourquoi ça? Pour quel motif? D'accord. Pourquoi? Parce que nous avons reçu un déposition un témoin à la décrivant. Attendez une petite seconde. Oui? Si j'ai bien compris, vous dites que l'avoir arrêté parce que vous aviez des preuves irréfutables de sa culpabilité. Ah oui? J'ai dit ça, moi! C'est ce que vous avez dit. Vous avez entendu dire. En effet, ce que vous avez dit. Vous l'avez dit. Trois fois. Où donc voyez-vous des preuves irréfutables dans les propos d'une cette étrange femme en rose? Quoi? Mademoiselle Brie n'est pas étrange, elle n'est pas vraiment rien d'une rose, monsieur. Et on peut dire qu'elle est épineuse. Ça suffit, inspecteur Tactive. Avez-vous d'autres preuves tangibles en dehors de sa déclaration, inspecteur? Je vois que le fait d'attaquer peut avoir ses avantages. Oui. Désolé, monsieur, mais je me suis un peu emmêlé, pas selon mon témoignage, votre honneur. Il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire en premier, votre honneur. Très bien, inspecteur. Écoutons le nouveau témoignage. La voix de monsieur détective est très difficile à faire. Voilà. Deuxième déposition, preuve irréfutable. Après m'être occupé des suspects, j'ai passé le lieu du crime en pleine fin. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du nom du corps de la victime. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Les résultats du labo ont donc démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. On a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Qu'est-ce que vous dites? Que vous en dites, hein? La voilà ma preuve irréfutable! Sauf que là, je suis en train de me dire, là je suis en train de réfléchir parce que je me dis. Là il dit que elle a pu mettre ça. Enfin, elle a pu écrire son nom avant l'assassin. Sauf que, apparemment, elle. Ouais, c'est ça. Elle est morte sur le coup, donc c'est pas possible, c'est pas possible. Avant de passer au contre-interrogatoire, j'ai une question à vous poser. Bonheur! Pourquoi n'avez-vous pas enseigné cet écran crucial la première fois? Je sais, je suis désolé, ça m'était sorti de la tête, votre honneur. Tâchez de faire plus davantage attention. Très bien, la défense peut commencer son contre-interrogatoire. Contre-interrogatoire sur la preuve irréfutable. Après m'être occupé du suspect, j'ai passé l'écrit mon peigne fin. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Sur cette note, le nom Maya a été clairement écrit avec du sang. Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. Et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Sauf que là, le rapport d'autopsie nous dit qu'elle est morte sur le coup. Écrit mort sur le coup, bien écrit. Donc ça veut dire que c'est faux, c'est pas possible. Objection! Inspecteur Tective, il y a une chose que je voudrais souhaiter que vous éclaircissiez pour moi. Vous dites que la victime, Mademoiselle Mayafay, a écrit cette note. Qu'elle a incriminé l'accusé Mayafay, c'est vraiment ce que vous êtes en train de dire. Quoi? C'est encore un beau truc des avocats, je parie. Évidemment que c'est elle qui a écrit qui l'autre, sinon. Vous avez tout compris de travers, inspecteur. De travers? La victime est justement la seule qui n'a pas pu écrire cette note. Voici un rapport provenant de votre département, inspecteur. Décès immédiat causé par un coup violent. Elle est morte sur le coup. Mais... Il n'y a pas de mec qui tienne ici, inspecteur. Silence, silence. La défense marque un point. Une personne décédée sur le coup n'aurait pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit. Objection, monsieur Wright. Excusez-moi, mais quand avez-vous reçu cet rapport d'autopsie exactement? Quand? Le lendemain du meurtre. C'était le lendemain du meurtre? Où l'accusation était l'avenir?
beforehand. Ce rapport d'autopsie est périmé, votre honneur. Pardon ? Une deuxième autopsie a été réalisée hier, à ma demande. Le décès a eu lieu presque immédiatement après que le coup soit été porté. Mais il est possible que la victime ait survécu plusieurs minutes après l'agression. J'ai reçu ses résultats ce matin. C'est impossible ! Votre honneur ? On peut facilement imaginer que la victime ait eu le temps d'écrire le nom Maya. Ce sera tout. Je vois. Allez au diable, Hunter. J'aurais dû me douter que vous aviez encore un tour dans votre sac. Eh bien, monsieur Wright, vous avez l'air consterné. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez vous dire? Mais t'es un fourbe, Hunter. L'inspecteur est un fourbe. Je suis un fourbe. Les trois sont possibles, mais je pense que le plus logique, ce serait avec Hunter, mais j'en suis pas sûr. Monsieur Hunter, j'ai entendu dire que vous feriez n'importe quoi pour arriver à votre fin. Alors, pour quelle raison avoir demandé un second report d'autopsie? Monsieur Wright, la cour ne tolérera aucune attaque personnelle à l'encontre de l'accusation. I pick for head. Laissez votre honneur. Monsieur Wright. De toute façon, le contenu de ce rapport est contestable. Mais votre honneur, je soumets ce rapport à la cour. Entendu. La cour l'accepte en tant que pièce à reconviction. Rapport d'autopsie mis à jour dans le dossier de l'affaire. Eh bien, votre honneur, cet élément suggère fortement que la victime cherchait à nommer son assassin. Je pense que c'est assez évident, en effet. Zut, ça s'annonce plutôt mal. L'accusation souhaiterait l'appeler au témoin suivant. Cette pauvre et innocente, cette jeune femme, qui a vu le crime de ses propres yeux. Que mademoiselle Voyage Avril vienne là-bas. Qu'est-ce qui est vraiment innocent chez elle? Ah, voilà. Voilà la voix que je voulais faire depuis longtemps, la voix de belle fille. Témoin? Attends. Dites-moi votre nom, s'il vous plaît, je vous prie. Moche Avril, à votre service. Silence! La présentation d'un nouveau témoin ne devrait pas susciter aucune réaction. Le témoin devra dorénavant s'abstenir de faire des clins d'œil. Oh, d'accord, votre honneur. Ça va pas arranger mes affaires. C'est pas faux. Elle a déjà conquis le cœur de tous les hommes de la cour. Et aussi tous les hommes de mon auditoire. Dites-nous, vous étiez le 5 septembre au soir, au moment du meurtre. Mince alors, j'étais, je crois, dans ma chambre d'hôtel. Je suis arrivé à l'hôtel juste après le déjeuner. Et cet hôtel se trouve juste en face. Et cet hôtel se trouve juste en face du cabinet Fenko, c'est exact. C'est exact, mon grand. Vous voulez dire à la cour ce que vous avez vu? Première déposition du témoin, récit du témoin. Il était environ 21h. Je regardais par la fenêtre. Oui, c'est ça. Et là, oh là là, j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Son agresseur était cette jeune femme aux cheveux brunâtres, assise sur les bancs des accusés. Puis la femme a fait comme un esquive. Et elle s'est enfuie. Puis, et cette fille, elle l'a attrapée. Et elle l'a frappée. Puis la femme aux cheveux longs, elle s'est comme affalée. Fini, c'est tout ce que j'ai à vu. Chaque mini-détail. Fin d'œil. Eh bien, votre honneur, je vois. Il s'agit d'un témoignage remarquablement solide. Je ne vois aucune raison de retenir le témoin plus longtemps. Un instant, votre honneur. Un instant, votre honneur. Oui, monsieur Wright. Qu'en est-il de mon contre-interrogatoire? Je pensais que ce témoignage était assez solide, n'est-ce pas, de cet avis? Monsieur Wright, je crois savoir que vous étiez suppliant de mademoiselle Mia Fey, n'est-ce pas? Vous devriez bien connaître ses techniques. Sa façon lâche de rechercher des infimes fautes dans des parfaits témoignages. Hé! Comment osez-vous? Bien, monsieur Wright, souhaitez-vous interroger le témoin? Bien entendu. Non merci, non tu vois, non merci, on va mettre Mia coupable. C'est avec plaisir que j'ai procédé au contre-interrogatoire. Ne serait-ce que pour déplaire à Hunter. Elle doit bien avoir un point faible. Très bien,
pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Et on va s'arrêter là pour cet épisode, dans ce contre-interrogatoire, premier contre-interrogatoire de Mademoiselle Mach Avril. On se retrouve bientôt pour la suite de ce Let's Play épisode 7. J'espère que ça vous aura plu, c'était GF, stay tuned.